Ok les gars, la full moon vient juste d'arriver et c'est parti, on va aller se faire le petit trial de notre race humaine. Et let's go, on rentre dans ce temple. Enfin les gars, ça fait super longtemps que je suis pas rentré. Et il me semble du coup pour la V4 il faut aller ici. Ensuite c'est ici, faut activer le petit levier. Let's go, une fois qu'on a le levier, c'est parti, on peut rentrer dans la salle. Ok c'est parti, on va faire la V4, let's go. On se met devant et du coup ils vont nous faire le décompte. Ok, c'est bon, j'ai activé, normalement les gars le trial on va pouvoir le faire. C'est parti, trial starting. Faire let's go, on éclate ou quoi encore? Non, franchement les gars, le boss est super simple. Après c'est un boss de level 1100, c'est un peu normal. On a fini notre petit trial. En même temps les gars, on a le fruit du Bouddha. C'est un peu simple, les gars, go restart vos persos. Y'en a un qui se fight, sérieux là? On va l'éclater les refs. Y'a un Doug qui est en train de se fight, laisse moi gagner le trial. Ah, c'est des ouf, laissez moi win le trial les gars. Ils veulent pas me laisser gagner le trial. Mais vous savez quoi, on va PVP avec eux, y'a pas de souci. Il manque que lui. Et let's go, on a réussi le trial. Incroyable, franchement les gars, GG. Bon maintenant faut suivre la petite orbe. Et du coup on a fait la V4, enfin c'est fait, franchement c'est incroyable. On va aller dans le temple du temps pour enfin activer notre V4 d'humain. Je l'attendais avec impatience, franchement sans vous mentir, c'était la deuxième race les gars que je voulais faire en V4, et c'est déjà fait. On est trop rapide les gars, on est vraiment trop fort. Let's go, je mets le gear. 3, 2, 1, let's go. Le gear qui est posé, je suis berserker. Oh là 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 là, le flow de fou. On a fait le trial, let's go. Il me reste vraiment plus rien pour l'augmenter les refs. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et la première amélioration. Oh là 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 là, le flow de zinzin. Regardez-moi cette dinguerie. On est trop chaud. Non, wesh, la tête est bougée tout. Waouh, le flow de zinzin. Ok, donc normalement les gars, il faut faire 2 fois. Ok, let's go, je l'ai activé. Et seules les personnes qui ont la race V4 sur Bloxfoot ont le droit de s'abonner. Et je pense qu'après les gars, on sera vraiment super bien. Même s'il en reste énormément par la suite, ben on aura déjà fait la race humaine V4. Et ensuite de cela, on a fait l'amélioration. Ok, on a enfin arrivé au sommet. Et les gars, c'est le moment venu. Je pense qu'on va pouvoir trial une deuxième fois. Et ça, c'est vraiment super cool. Va falloir qu'on active ça. Allez, on active le petit engrenage ici. C'est parti, let's go. Et du coup, notre porte s'est ouverte. Et là, les gars, on va pouvoir aller récupérer notre premier boulon. Il me semble que c'est tout là-bas. Ok, let's go. Et le tout premier boulon qui va être ici pour la race humaine. C'est parti. Du coup, on va pouvoir se l'acheter normalement pour 1000 fragments. Let's go. La transformation a été augmentée. C'est parti, les gars. On active. Et est-ce que le trial est lancé? La question, c'est que le trial est lancé. Effectivement, let's go. On va pouvoir faire notre deuxième amélioration. Ça, c'est vraiment cool. On a fini le trial vraiment super rapidement. C'est fini pour nous. Voilà les gars, c'était super rapide. On l'a fait en même pas 5 secondes. Et ref, faites le reset de votre perso, s'il vous plaît. Merci, merci. Fruit du lot par pareil. Il veut me PVP lui ou quoi? Vas-y, tiens mon ref. Hop, 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 hop. Let's go. On a fait notre deuxième trial. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 2 trials en une seule vidéo. C'est absolument énorme. J'ai jamais fait ça depuis le début de toutes mes V4. Va falloir que je monte tout en haut et que je pose l'engrenage. On pose l'engrenage. C'est fait. Regardez ça les gars, sur l'ancienne cloche. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut poser. Le nouveau gear. On va mettre le rouge. Let's go. On a un slot. Flash step. Ça, c'est incroyable. On va pouvoir se téléporter à 3 reprises super rapidement. Et du coup, bah, c'est effectué. Et let's go, les gars. On a fini notre petit trial. Ok. On a la petite V4 qu'on active. Oh là 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 là. Et c'est toujours aussi fascinant, les gars. La V4 de Shark. Franchement, c'est vraiment incroyable comme V4, les gars. Regardez comment on est super stylé. Et du coup, normalement, on peut se TP super rapidement et aller sous terre. Franchement c'est super cool comme gear. Alors je sais pas si on peut l'utiliser. Oh, ok, ça s'est rechargé quand même assez rapidement. Et on peut se téléporter, ouais, super rapidement. Et ça c'est vraiment super cool. Et franchement regardez moi cette transformation super stylée. Non franchement les gars, je voudrais savoir, c'est clairement la meilleure de tout Bloxfoot. Avec ses mouvements de tête, c'est cette main super stylée, les flammes tout autour. Non franchement les gars, il n'y a rien à dire. Donc ben c'est parti, on va aller se la tester sur les mobs. Et sans bouter, en plus de ça, regardez les dégâts que je fais. On va activer la petite V3 par contre, parce que la V4 ça fait clairement rien niveau dégâts. Et ouais, je prends toujours autant de dégâts. Je remets les gars que la V3 n'est pas trop utile pour les dégâts sur les mobs. En tout cas ce qui est sûr, c'est que je peux me téléporter pendant quelques secondes sous terre. Et ça franchement c'est super super stylé. Non franchement en PVP ça doit être super cheat. Et normalement vu que j'ai fait ma V4, je peux utiliser toutes sortes d'armements effectivement.
moi, regardez ça. Je peux même utiliser mon pistolet comme je peux utiliser mes poings. Alors non, franchement, ça doit être trop cheaté en PVP. Par contre, s'il vous plaît, les mecs, laissez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ben ouais, non, mais ça, c'est pas cool, ça. J'ai vraiment galéré à la farmer. En plus de ça, par chance, je viens tout juste d'avoir un code Kalis. Donc, vous savez quoi, les gars, on va aller se faire rip Indra. C'est vraiment super cool. Là, je pense qu'on va réellement pouvoir tester notre V4 sur un boss ultra compétent. Par contre, le petit souci, c'est qu'il va falloir qu'on farme notre V4 avant de le tuer. C'est super important. Et déjà, rien que ça, la V4, regardez les dégâts qu'on met. Franchement, c'est juste avec la Yama, on arrive à mettre plus de 50 000 de dégâts à nous tout seul. J'imagine même pas avec notre V4 d'humain, car il me semble, les gars, que ça nous fait un boost de dégâts quand on l'active. Et franchement, il y a énormément de monde. Du coup, vu que ça fait une annonce générale sur le serveur, il y a clairement tout le serf qui s'est ramené. Il y a même un dragon qui l'a activé dans le château. Et par contre, j'ai bien l'impression qu'elle se recharge largement, mais plus lentement, genre de ouf. Quand j'ai farmé sur des petits mobs, ben ça se rechargeait super rapidement. Donc je sais vraiment pas si on va pouvoir la recharger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est clairement en train de prendre super cher. Mais nous, notre but, les gars, je rappelle, c'est de farmer la V4 et pas de le tuer. Dans tous les cas, il me semble qu'il a juste 2 vies. Donc normalement, les gars, je dis bien normalement, on devrait pouvoir farmer notre V4 et l'utiliser contre Rip Indra. Aïe, 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 par contre, les gars, il est en train de me faire une attaque super bizarre. J'espère qu'il va pas one shot. Ok, il m'a enlevé que 1000 PV. Et par contre, notre barre de furie est bientôt pleine. Et du coup, c'est parti pour aller se l'activer. Cette lieu rouge est super cool. Par contre, là, je suis en train de prendre super cher. On m'a enlevé 2000 PV. Non, c'est vraiment pas le moment pour mourir. Alors, je pense que c'est le bon moment pour activer la V4. Oh là 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 là, regardez comment on a du flow. Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut l'activer avec notre Bouddha. Donc, bah, on peut clairement devenir invincible. Ça, c'est super cheat. Et en plus de cela, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut se téléporter quand même avec la transformation du Bouddha sous terre. Non, les gars, je pense qu'on détient clairement un combo ultra cheat. Et je sais pas si vous arrivez à remarquer les dégâts, mais on en fait énormément. Bon, ben maintenant, les gars, reste plus qu'à tuer Rip Indra avec notre V4. Et je pense que ça va aller super vite. En même temps, il y a 2 Bouddha, un Rumble, un dragon. Il y a clairement tout le serveur sur lui. Et on est déjà à 90 000 dégâts, 92 000, 96 000. On va passer les 100 000 dégâts. Et non, ils sont vraiment sérieux là, c'est pas possible. J'étais vraiment à un tout petit dégât de passer les 100 000 dégâts. Ils sont pas sérieux quand même. En même temps, il y a tout le monde qui l'attaque en même temps, c'est un peu normal. Et il est encore en train de me refaire son attaque super bizarre. Alors, je sais pas s'il y a une épée comme ça dans le jeu qui permet de faire cette attaque, mais elle est vraiment trop cheat. Et franchement, la V4 qui a duré super longtemps, j'aurais eu le temps de faire un boss en entier. Et du coup, c'est parti. Il est très bientôt mort. Est-ce qu'on va obtenir le kill? Et let's go, les gars, on a obtenu Rip Indra. Et je veux même pas compter le nombre d'XP qu'on fait de gagner, les gars, car le chiffre est absolument énorme. Quoi, le petit bémol dans tout ça, c'est que c'est pas comme la race Shark V4. C'est qu'on a pas de réducteur de dégâts avec la race V4 ni avec la race V3. Du coup, les gars, forcément, on a la V4. Donc, c'est parti. On va aller la CC en PVP. En plus de ça, on a le fruit du Bouddha. Et ça va être super galère, car les gars, on est face à un mec qui a 23 millions de primes et qui joue Rumble. Bon, dans un premier temps, faudrait que j'arrive à la farmer car c'est ultra compliqué. Ok, on a réussi à l'obtenir. J'active ma V4. Let's go. Oh là 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 là, franchement, on est trop chaud. Et le mieux en tout ça, c'est qu'on peut se téléporter. Par contre, les gars, avec la race humaine, il va falloir que j'active du coup le petit glitch avec Bouddha. Ça sera large mieux. Et là, je suis clairement en train de me faire bolos. Ok, let's go. Regardez-moi tous ces dégâts. Franchement, les gars, c'est incroyable. Non, c'est trop cheaté. On va faire usage de la petite Yama. Là, je suis vraiment en train de prendre cher. Par contre, on va se téléporter avec le petit humain. Et ça, c'est vraiment super cool. Ok, on va peut-être réussir à le tuer. Let's go, les gars. Non, franchement, la race humaine, c'est grave cheaté. Le fait de pouvoir faire énormément de dégâts et en plus de ça, se téléporter sous terre, c'est vraiment trop fort en PVP. Enfin bref, surtout, n'oublie pas d'aller voir la prochaine vidéo. Coche-moi à l'écran, n'oublie pas de la liker. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Maliko. Ciao, ciao, les amis.